Avec tout ça, un téléphone que tu as acheté à 300 000 francs, tu fais quoi dans la vie? Laissez-moi travailler, s'il vous plaît. Je ne vais pas parler de mon travail ici. Je suis une personne très libertine, donc je m'en fous des avis des gens. Maman, s'il te plaît, viens là, tu la balais des pieds jusqu'à la tête, s'il te plaît. Voilà, tu balais correctement. Waouh, tu peux encore tourner un peu, Kimberly, s'il te plaît. Waouh. Kimberly, dis-nous déjà, pourquoi est-ce que tu t'es habillée comme ça? Parce qu'il fait la voix chaud. Oui. Et je viens rencontrer une amie. On va aller se balader un peu. Ah, ok, vous allez vous balader. D'accord. Kimberly, tu vas nous dire combien coûte ton outfit. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok, on va commencer. Caméraman, s'il te plaît, prends un peu la chaussure là. Tu as mis cette chaussure montante. On appelle ça comment déjà? Je sais pas, elle m'a juste plu. Elle t'a juste plu. Oui. Et elle t'a coûté combien? Je l'ai pris au Carrefour Anatole à 15 000. 15 000 francs. Oui. Les gars, l'équivalent en français, c'est environ 25 dollars. 25 euros. Oui, c'est environ 25 euros. Et environ 27 dollars, c'est ça? Bon, je ne sais pas. Ok, accompagné à ça, tu as mis, ça c'est un ensemble. Wow. Caméraman, s'il te plaît, prends un peu bien son ensemble. Prends un peu bien son ensemble là. Est-ce que c'est collé? Ah non, c'est pas collé. Pourquoi est-ce que tu as mis ça au-dessus? Pour atténuer un peu l'aspect libertine que le vêtement a, parce Oui. que c'est un peu trop découvert. Donc, vu que c'est encore un peu jour, Oui. je peux être un peu couverte. Ah d'accord, et ça t'a coûté combien ton ensemble? Je l'ai pris à 12 000 chez une fille de TikTok, Oui. la maison de Waterwave, ça s'appelle Oui. Chloé. Ah, 12 000 francs. Oui. Ok. Et accompagné à ça, il faut noter, tu as mis ceci. Tu as dit ça bien seul. Ouais, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Ok, tu ne peux pas estimer le prix. Non, c'est un cadeau. Ok, accompagné à ça, on va voir ton sac à main. Caméraman, s'il te plaît, prends un peu son sac à main là. Voilà. Ton sac à main là, il t'a coûté combien dans ça? J'ai pris à 5 000 en coulo. À 5 000 en colo. Pripéré ou bien neuf? Préparé. Pripéré. Waouh. Et accompagné à cela, on va aller sur ouais. ta perruque. La bombe m'a coûté 26 000. 26 000 ta perruque. Caméraman, s'il te plaît, prends un peu sa perruque là. Je peux toucher déjà. Bah oui. Okay. C'est ça qu'on appelle la nasse frontale. Oui, c'est une bob. Ah ok, tourne un peu s'il te plaît, tourne un peu encore pour voir bien. Ah, ok. Ça t'a coûté combien? 26 000. 26 000 francs. Ok, d'accord. Et accompagné à ça, on va aller d'abord sur les artifices. Tu as mis cette chaîne-là. Ça t'a coûté combien la chaîne? 2 000. 2 000 francs. Oui. Et accompagné à ça, tu as mis Les bijoux, les le bijoux. Quoi, tu as mis les cadeau. bijoux? Oui, cadeaux. J'ai acheté à 1 500, c'est Mrs. pareil. Oui. Et le reste, ce sont les cadeaux. Alors, sans les cadeaux, même sur l'autre main. Oui, c'est les cadeaux. Ok. D'accord. Maintenant, ton téléphone. Tu as un téléphone de marque. Quel iPhone? 11 Pro Max. 11 Pro Max. Qui l'a acheté? Moi-même. Combien? Au moins, j'ai acheté, m'a coûté 300 000. Il a coûté 300 000. Oui. Mais dis-nous déjà, ton habillement. D'abord, c'est ton habillement. Est-ce que tu trouves que tu es extravagant? Tu trouves que tu es extravagant ou bien tu es sexy? Un peu Honnêtement, des deux. Un peu des deux. un peu des deux. Pourquoi est-ce que ça ne te dérange pas quand tu t'habilles comme ça, on ne te dérange pas, on ne te critique pas? En fait, je suis une personne très libertine, donc je m'en fous des avis des gens. Oui. Je m'habille comme je me sens bien, comme je veux et tout. Oui, et là, tu te sens bien. Je me sens à l'aise dans mon vêtement. Oui. D'accord. Je vais voir si je peux voir. Je peux encore regarder, non? Tu n'as pas mis de faux ongles. Elle n'a pas mis de faux ongles. C'est rare. C'est rare, vraiment. Mais maintenant, avec tout ça, un téléphone que tu as acheté à 300 000 francs, tu fais quoi dans la vie? On voulait savoir. Oui, tu fais quoi dans la vie? Je vais pas parler de mon travail ici. Je savais! De ton travail. Non. Mais ça peut aider. On peut te contacter. Non. De base, je suis commerciale dans un restaurant marocain à Bonapriso. Ouais. Et je travaille aussi dans un club à Aqua. Dans un? Ah, dans un club à Aqua, donc je suis en alternance. Oui. Et en journée, je suis en formation. Oui. Donc, Ok. Et le club, c'est le club de quoi? c'est un club, un nightclub. Un nightclub. Ouais. Ah, d'accord. Mais s'il te plaît, je vois, il y a un truc qui a attiré mon attention. Si je peux un peu sortir la langue. Non. Tu Je sais pas. peux pas sortir la langue. Non, je sais pas. D'accord.